Yo, la famille, c'est comment? Voilà, c'est votre humble serviteur Stéphane Avi. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va. En tout cas, je vais très très bien. Hier, tardivement, m'a envoyé le lien de la vidéo du grand frère Will Steph, comme quoi il est en train de nous répondre. Voilà. Il s'est plus attardé sur moi, sur ma petite personne, sur la petite chaîne du jeune Stéphane Avi, Church TV. Et tu as dit beaucoup de choses, tu as dit beaucoup de choses, mais je commence par quoi? Je commence par quoi? Tu as parlé du nom de ma chaîne, tu as dit d'avoir plus d'arguments pour t'affronter, ce qui me fait beaucoup rire. Je ne sais pas ce que tu entends par argument, ou bien si nous deux on ne connaît pas bien la définition d'avoir d'arguments. Et tu as parlé de... Je vais t'insulter, chose que je ne vais jamais faire parce que tout le monde me connaît ici. Quelle que soit ma colère, pas d'injures grossières de ma bouche. Donc sois tranquille, je ne vais jamais t'insulter, Mercon. Voilà, mon éducation ne me permet pas. T'as dit quoi encore? Que Debordeaux est fini. Ça, c'est selon toi. C'est selon tes analyses. C'est selon les arguments que tu apportes. Et Debordeaux ne marche pas sans clash. Ok, je vais d'abord commencer par mon nom. Effectivement, tu as raison, c'est pas faux ce que tu as dit. Mais en fait, Sur TV, c'était dans l'idée de faire une chaîne d'actualité où j'allais passer beaucoup d'informations de tout ce qui se passait à l'extérieur, comme dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc c'est resté et puis les gens se sont habitués. Mais j'avais un projet de changer mon nom. J'avais un projet de changer mon nom. Merci déjà de m'avoir souligné, de me l'avoir rappelé. J'avais un projet de changer mon nom. Donc, chers abonnés, je vous informe que je vais changer mon nom. Voilà, je vais vous proposer deux noms en commentaire que je vais épingler et puis vous allez me dire, vous préférez quel nom. Voilà, ça c'est la première chose que j'avais à dire d'abord. La deuxième chose. Tu parles de moi, Stéphane, à lui, d'avoir beaucoup d'arguments avant de t'affronter. Ce qu'il faut savoir, c'est que je cherche vraiment pas à t'affronter. C'est mon dernier souci. J'ai juste réagi à tes vidéos parce qu'elles ne m'ont pas plu. Voilà. Je sais que tes vidéos ont pour rôle de booster les artistes à bosser ou à faire sortir des œuvres, mais il faut trouver les manières adéquates. Et là, tu n'as pas utilisé les bonnes manières. Voilà. Parce que quand tu parles de Bordeaux, n'a plus de côte, je ne sais pas ce que au fait, je ne sais pas de quoi tu veux parler. Je vais te rappeler que en cette année 2018, de Bordeaux et Latisse, Marie qui n'a pas fait sortir deux, hein, dont on a le plus parlé. Voilà. Et généralement, ceux qui parlent de Bordeaux voient un peu les réactions. Que ce soit en commentaire, que ce soit en vue, que ce soit en partage, sous les vidéos, mais sous les publications. Voilà, donc me dit que de Bordeaux n'a plus la cote. Ok, si tu me dis que de Bordeaux ne fait pas beaucoup de son, ou bien n'a pas fait du son, il n'y a pas de problème. Mais dis que de Bordeaux n'a pas la cote, tu te leurres énormément. Énormément. Et puis le problème, c'est quoi? Safarel est un artiste que j'admire bien. Il est pétri de talent, mais il est trop loin de Bordeaux, honnêtement. Parce que de Bordeaux, ce que tu ne sais pas, c'est l'un des rares artistes coupés décalés qui n'a pas beaucoup de son, mais qui est un gros poids, qui pèse très lourd dans ce coupé décalé-là. Et même ses collègues le reconnaissent. Donc quand toi, Youssef, tu viens faire une vidéo pour dire que non, de Bordeaux est fini parce qu'il ne fait plus sortir de son, c'est ce que je disais. Je suis venu juste te rappeler que ce que tu as dit là, nous, on l'a déjà dit. Mes vidéos sont là. J'ai plus de 314 vidéos sur ma chaîne. Tu peux aller les regarder. Et elles sont récentes même. Tout ce que tu as dénoncé là, je l'ai dit haut et fort à mon artiste directement. Voilà. Et puis, j'ai trouvé la manière de lui dire. Mais toi, tu viens à la limite. Dis qu'il est fini. Dis à un artiste qu'il est fini. C'est ce que ça représente. À la limite, c'est une injure. Il y a une chose que tu avais dit dans une de tes vidéos, je n'ai pas voulu réagir dessus, mais je vais réagir dessus aujourd'hui parce que tu as demandé à ce que je te réponde. Tu as dit comme ça que des Bordeaux ne chantent pas par amour, mais ils chantent pour de l'argent. Ça, ce sont des propos très injurieux envers un artiste. Si tu ne le sais pas, je te le dis. C'est des choses qui ne se disent pas. Parce que c'est vrai qu'on chante par amour, mais tous ces artistes que tu vois qui te font croire qu'ils chantent par amour, là, c'est pour du blé qu'ils le font. C'est pas pour autre chose. Voilà.
dit que des Bordeaux chantent seulement que pour de l'argent. Non, franchement, c'est des choses qui ne se disent pas parce que tu y vas un peu trop fort. Voilà, tu devais même pas dire ça. Voilà. Parce que le mec, comme il peine, pour ne pas dire, il dure avant de se faire sortir une œuvre, toi, Will Steph, tu juges que le mec, c'est parce que quand il veut faire sortir une œuvre, il s'est dit que bon, je vais faire sortir cette œuvre-là et puis je vais beaucoup manger dessus. Non. Quand tu connais pas quelqu'un, tu demandes. Et puis toi, à ton temps de parler, on sent que tu ne suis vraiment, vraiment pas l'actualité du showbiz ivoirien. Voilà, tu es de l'autre côté, en Allemagne là-bas, et tu fais tes analyses qu'on apprécie souvent. Mais en quelque sorte, je vais te dire que tu connais vraiment pas l'histoire du coupé décalé. Voilà. Pourquoi je te dis que tu connais pas l'histoire du coupé décalé? C'est pour en venir à ta phrase comme quoi des Bordeaux ne marche pas sans clash. Je vais te rafraîchir la mémoire si tu suis bien le coupé décalé. Quand des Bordeaux s'est séparé de Didier Arafat, il a fait sortir American Soldier qui a fait un carton, je dirais, international. Voilà, c'est sorti des frontières de la Côte d'Ivoire. Il ne faisait même pas vidéo. Il ne faisait même pas interview. Il ne faisait même pas apparition quelque part. Si ce n'est que ses apparitions télé. Laissons American Soldier. Il a fait sortir Persévérance. Il a fait sortir Célébration. Il a fait sortir Pardonne-moi. Il a fait sortir American. Apéritif, il y a un mot qui dit. Il a fait sortir N'enfant gâté. C'est dans l'ère de N'enfant gâté là que De Bordeaux a commencé à faire des vidéos, a commencé à faire des directs. Mais pendant cette période-là, De Bordeaux était nommé le numéro 2 du coupé décalé. Youssef, écoute-moi bien. Hein. Sans ces clashs dont tu parles aujourd'hui, que tu clames aujourd'hui là, De Bordeaux était nommé le numéro 2 du coupé décalé. Ceux qui se rappellent vont se rappeler. Moi, je vais dire que c'est depuis que De Bordeaux fait les clashs que ça commence à bêter. Et qu'il a bêté, a baissé. C'est depuis que De Bordeaux s'est mis dans ces histoires de clash, a fait des vidéos à non point fini pour répondre ou bien à clasher les gens. C'est là, ça a baissé sa cote. Sinon, quand De Bordeaux était dans son coin, qui se concentrait sur sa musique, il faisait carton. Non, tu ne maîtrises vraiment pas ce que tu dis. Faut vraiment t'informer d'abord. Voilà. Parce que c'est bien de faire des vidéos comme quoi tu cherches à booster un artiste, tu dis avoir de bons arguments, mais franchement, hein, le père, franchement, moi ce que j'apprécie seulement dans tes vidéos, ce sont tes montages, c'est tout. Sinon, le fond, j'affirme qu'il est vide. Je pense personnellement qu'il est vide. Parce que tu es là toujours à te répéter dans tes vidéos. Hein. Si on peut relire toutes tes vidéos, et ceux qui sont francs te le diront, tu es là à te répéter dans tes vidéos. Sinon, le fond, il est vide. Tu as une très bonne caméra, tu as de bons effets, tu as de bonnes miniatures. Et en tout cas, tu es très bon en montage. Moi, j'aime bien ta façon de faire, de mettre souvent les clips vidéo dans tes réactions. C'est ce que j'apprécie. Sinon, le fond, vieux. Je sais pas de quel argument tu parles, mais franchement, tu me convaincs même pas. Je voulais pas dire que tu me ferais même pas. Sur n'importe quel plan. Et il faut dire que tu es expérimenté à la matière parce que YouTube, tu l'as commencé longtemps avant nous. Voilà, donc tu t'es déjà fait un nom sur cette plateforme-là. Tu comprends un peu? J'espère qu'on se comprend. Je suis en train de réagir sans injure, hein, mais je suis en train de te dire ce que tu sais. Vraiment, ce qui te parle vraiment, ce qui touche ta conscience vraiment. De Bordeaux n'est pas encore fini. Il sera fini seulement quand lui-même il aura décidé. Mais pas parce que si Will Steph croit que De Bordeaux est fini. Tu dis que De Bordeaux n'a plus la cote. C'est aberrant. Je te fais son résumé de 2018. Fin 2017, il fait une tournée chose américaine où il fait guichet fermé, c'est-à-dire salle comme à tous ses showcases. Il vient en Côte d'Ivoire, il prépare son concert.
qu'il remplit normalement, qu'il réussit normalement avec le plus gros cachet. Mois de mai, je crois. Oui, mois de mai, il va pour une tournée européenne qui sera un succès phénoménal. Donc, de quoi tu nous parles? De quoi tu nous parles? Tu es sûr que De Bordeaux n'a pas la cote? Il n'a jamais un 10 sons pour avoir la cote comme tu crois là. Hein? Avec un 2 sons, il laisse toujours des traces. Il laisse toujours des traces, Wilstef. Moi, j'ai réagi, je t'ai répondu parce que je trouvais ça injurieux, très très injurieux, de comparer Safarel à De Bordeaux ou d'affirmer comme quoi De Bordeaux est fini. Non, ça fait chose. Oh oui, Steph. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment, vraiment pas d'accord. Et toi, ton problème, comme à la base, tes vidéos mettent toujours en confrontation deux artistes, c'est-à-dire sont basés sur des clashs, et que De Bordeaux et Didier Arafat sont en paix, toi ça ne t'arrange pas, ça ne te plaît pas en fait. Parce que toi tu crois que De Bordeaux a besoin de clash pour exploser. Observons ensemble. Il a arrêté ses clashs avec Didier Arafat, non? On verra le chose, oh, son son qu'il est en train de faire sortir, on verra le résultat. On verra ce que ça va donner. Non, c'était ma petite réponse pour te dire les arguments là. C'est ce que je viens de faire là. C'est pas venir dire, c'est faire du coq à l'âne, sortir ici, tomber là-bas, non. Bon, je vais m'arrêter là, je vais m'apprêter là. Je ferai une autre vidéo pour clore le débat. Mais ça, c'est juste un aperçu. Et j'ai fait que 12 minutes. Merci les amis, partagez la vidéo si elle vous a plu. Dites à Wilstef, qui est de Bordeaux, ne peut jamais tomber. Si ce n'est que Dieu qui l'a décidé. Merci.